And if we are no longer alone in the universe? Astronomers are beginning to accept it. Each week they are discovering new planets and some resemble the Earth. Plätze im Universum sind überall die gleichen. Das heißt, so wie unser Planetensystem sich um die Sonne bewegt, bewegen sich auch andere Planeten um andere Sterne. In our system we have two gas giant planets, Jupiter and Saturn, two ice giant planets, Uranus and Neptune, and four smaller terrestrial planets. Jusqu'en 1995, finalement, on ne connaissait en tout et pour tout que 9 planètes. À l'époque, Pluton était considéré encore comme une planète. Et toutes ces planètes étaient en orbite autour d'une même étoile qui est notre Soleil. Mais par contre, au-delà du système solaire, on a maintenant pléthore de planètes. On sait que les planètes sont universelles, donc il y a des milliards de planètes dans l'univers. Une exoplanète, c'est une planète qui orbite, qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas notre Soleil. Wir erwarten eigentlich, dass es viel mehr erdähnliche Planeten gibt. Dass man momentan mehr Riesenplaneten sieht, ist ein Effekt der Beobachtung. A planet like Jupiter going across in front of a sunlight star blocks 1% of its light. So we're looking for a tiny 1% drop in the light. Mais si vous voulez détecter une planète qui est similaire à la Terre, alors là, la baisse de signal est très très faible. La détection devient d'autant plus difficile. To complete our understanding of a planet, we have to work with other groups of astronomers who have developed other types of instrument for measuring the velocity of the star towards or away from us. Because as the planet orbits around the star, we see the star wobbling, and the size of that wobble tells us the mass of the planet. Actuellement, on mesure des variations de vitesse qui sont plus petites que le mètre par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vitesse, des variations de vitesse de l'étoile qui sont plus petites que la vitesse d'un piéton. Et donc, ça, c'est vraiment une machine extraordinaire qui ouvre la porte à la découverte des planètes comme la Terre. Pour trouver la plus petite exoplanète détectée à ce jour autour d'une étoile presque semblable au Soleil. Donc il s'agit de Corot-Exo-7b. C'est une planète dont la taille est un peu moins de 2 fois la taille de la Terre, mais qui a la particularité d'être très près de son étoile, puisque l'année sur Corot-Exo-7b dure moins d'un jour. Alors Kepler, là, c'est un instrument de la NASA, qui est donc américain, qui a été conçu complètement pour détecter des planètes analogues à notre Terre. Avec ARPS, il a été possible de détecter un système planétaire complet avec plusieurs planètes, dont 2 se trouvent juste au bord de cette zone dite habitable. And this means that we have to look at planets that are just the right distance from their parent star. Bien évidemment, la zone habitable, lorsqu'on la recherche, on se base sur la vie terrestre. Donc la vie terrestre qui est apparue dans l'eau des océans il y a environ 4 milliards d'années avec de la chimie du carbone. Ich persönlich glaube, dass das Leben auf der Kohlenstoffbasis, so wie wir es kennen, das Wahrscheinlichste ist, denn Kohlenstoff zeichnet sich durch die Eigenschaft aus, sehr vielfältige Verbindungen einzugehen und die alle auszutesten. Kaum ein anderes Element ist dazu in der Lage. On est en face d'un dilemme. Soit on essaye de chercher ailleurs à peu près ce qu'on connaît sur Terre, soit on cherche autre chose. Mais si on cherche autre chose, chercher quoi? Tout à coup, l'imagination devient trop riche et on ne sait plus dans quelle direction aller. La vie extraterrestre, pour nous, est représentée d'abord par la vie bactérienne. Pour nous, les bactéries terrestres représentent déjà le summum de la vie. From that point on, the question is then thrown into the court of the biologists. How easy is it for life to get going spontaneously in those circumstances? If the answer is that it's easy, then life will arise everywhere in the universe. Sur la Terre, c'était clairement de l'eau alimentée par des micrométéorites. Donc la matière première pour fabriquer la vie est en grande partie est d'origine extraterrestre. Nous sommes peut-être tous des martiens. Est-ce que oui ou non, on pense que la vie existe ailleurs? Personnellement, moi, je trouve que c'est assez sympathique d'imaginer que la vie est un sous-produit naturel de l'évolution de l'univers et donc qu'elle doit exister ailleurs. Si on découvre avec une quasi-certitude
les signatures de la vie dans une atmosphère de planète, mais ça va être une réflexion profonde énorme. Und zum ersten Mal sehen wir jetzt extrasolare Planeten. Wir sehen andere Welten, die ganz anders aussehen. Und ich denke, das ändert auch das Verständnis unserer eigenen Existenz. Est-ce que vous préférez être seul dans l'univers ou bien savoir qu'il y a des copains ailleurs? On préfère penser qu'il y a des copains qu'on n'est pas tout seul. C'est une belle question, c'est une vieille question. Hein? Le philosophe grec Épicure, il y a plus de 2000 ans, évoquait déjà pour son collègue Hérodote la possibilité que d'autres mondes dans l'univers soient habités. Donc on voit que ce n'est pas une préoccupation de notre époque. Je dirais la seule différence par rapport à ces glorieux ancêtres, c'est que nous avons les outils pour éventuellement répondre à une telle question. So this film tries to explore the vast field of research that awaits humanity. If our own galaxy contains millions of planets, life awaits us on some amongst them. The adventure is only beginning.